Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes mardi 13 décembre. J'espère que vous allez bien. Bienvenue de ce Morning immo. On parle d'actualité immobilière tous les mardis matins sur cette chaîne YouTube et également aussi sur, euh, sur Instagram, puisque je diffuse également sur Instagram. D'ailleurs, j'espère que ça marche bien euh, en ce moment même. Donc, euh, tous les mardis matins, on balance et on balaye l'actualité immobilière de la semaine. Voir ce qui s'est passé. Et principalement l'immobilier, parfois je peux aller aussi sur d'autres sujets, notamment liés eh bien, à tout ce qui est lié autour de l'argent, bien évidemment, puisque c'est une chaîne YouTube et c'est aussi un compte Instagram où je parle beaucoup d'immobilier, mais surtout d'enrichissement personnel. Donc euh, j'essaie de vous voilà, publier un maximum de contenu, un maximum de vidéos euh, pour vous, vous inspirer, hein, tout simplement. Donc j'espère d'ailleurs que ça vous plaît au quotidien. Donc bienvenue sur ce rendez-vous eh hebdomadaire, l'avant-dernier de l'année, puisque ça y est, nous sommes... Euh, en fin de cette année 2022, qui a été une année quand même un petit peu spéciale, on ne va pas, on, on va pas se mentir, on, et on y reviendra. Et je vous ferai d'ailleurs une vidéo euh, euh, très prochainement sur ma chaîne YouTube. Où on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur 2022, ce qui s'est aussi passé pour moi. Et puis je ferai aussi dans le cadre de mon podcast, et eh bien un bilan, un bilan de l'année euh, générale. Donc euh, euh, je vous expliquerai absolument tout. D'ailleurs, pour ceux qui, euh, qui n'ont toujours pas euh, écouté mes derniers podcasts, eh bien, sachez que le dernier épisode que j'ai tourné, eh bien, c'était le bilan sur le mois de novembre et euh, mon bilan euh, donc euh, bah, entrepreneurial, mais également par rapport, eh bien, aux revenus qui ont été générés sur mon activité. Et euh, je vais essayer maintenant de faire cet exercice-là en toute transparence eh bien chaque mois. Et euh, du coup, je vais publier bah, début janvier ou fin fin décembre, je vais voir, eh bien, un autre épisode où justement je ferai cette Fois-ci, eh un bilan total de euh, mon année 2022 et ce que je prévois sur 2023. D'ailleurs, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, ce qu'on s'est retrouvé euh, samedi dernier sur Paris. D'ailleurs, si certains euh, sont, euh, étaient avec moi euh, samedi dernier, bah, n'hésitez pas à me le dire si vous êtes là en ce moment connecté. Euh, on s'est retrouvé samedi dernier sur Paris, comme j'ai pu le, le dire, puisqu'on a fait ce, ce qu'on fait chaque année, c'est qu'on fait un gala. Euh, C'est-à-dire qu'on fait donc, euh, je fais des séminaires durant toute l'année, j'en fais entre deux et trois chaque année euh, pour, pour ma communauté, et euh, on fait en voilà au mois de décembre, on termine tout le temps par un gala. Donc là, c'est plus en mode détente, bien qu'il y ait une partie aussi l'après-midi qui était autour de voilà, on a échangé, on a, on a beaucoup brainstormé énormément. Euh, donc ça c'était cool. Euh, et après on a enchaîné sur la soirée. En plus de ça, il y avait le match de foot. Il euh, y avait euh, forcément les, les bleus qui jouaient. Euh, donc on a passé une excellente soirée. Et du coup, euh, la question qu'on m'a beaucoup posée, c'est mais Sébastien, c'est quoi tes objectifs Enfin, c'est quoi es, tes projets sur 2023 Et c'est marrant parce que vous aviez beaucoup euh, cette, cette question est revenue de manière assez récurrente. Donc du coup, je me suis dit bah tu sais quoi, je vais euh, tout simplement bah euh, le partager dans un épisode sur mon podcast et très certainement aussi sur YouTube. Si vous suivez toujours pas son podcast, franchement n'hésitez pas à aller voir parce que on est vraiment sur toute autre chose et j'aime beaucoup ce format là je vous cache pas euh, c'est beaucoup plus plaisant pour moi même ce que c'est plus facile aussi à enregistrer c'est c'est moins il euh, y a moins de contraintes euh, techniques et euh, du coup ça ça, 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 ça me permet d'être beaucoup plus euh, euh, naturel naturel que sur une vidéo YouTube où il faut fixer la caméra euh, comme là je suis en ce moment et c'est pas toujours euh, toujours très, un exercice toujours très facile Surtout qu'il qui y avoir plein d'impondérables pendant une vidéo, donc euh, alors qu'il n'y aura pas sur un, sur un sur un podcast. Donc voilà. Si vous savez pas me retrouver, bah, vous allez sur euh, sur Vous allez voir, il y a un onglet podcast. Vous cliquez comme ça, vous pourrez accéder aux, aux prochains épisodes. Euh, du coup, voilà. Donc voilà un petit peu le. Donc on s'est retrouvé samedi. C'était vraiment excellent. Et euh, je, on va on va renouveler cette expérience là. Donc je vois que vous arrivez tranquillement. Salut Mandy, bonjour Johan, bonjour Marie. Ah ce matin vous êtes un petit peu moins un petit peu moins nombreux ce matin, contrairement euh, aux fois précédentes. Alors je sais pas si ça diffuse bien sur euh, Instagram, je n'en sais rien. Mais en tout cas bah, c'est pas grave. On va quand même avancer et on va pouvoir démarrer. Eh bien tout simplement, on va pouvoir démarrer. Hop. Alors, aujourd'hui, moi, je voulais vraiment vous parler euh, bah, du prix de l'immobilier. Ouais, c'est la neige, me dit Mandy, c'est la, la neige. Euh, effectivement, je ne sais pas si sur Insta, ça diffuse. J'arrive pas à savoir. Euh, j'ai pourtant tout paramétré, mais j'ai l'impression que ça diffuse pas. Mais bon, c'est pas grave. Euh, on, va, on, va, on va pouvoir commencer. Euh, donc oui, donc euh, cette semaine, je voudrais revenir. Enfin, revenir, je voudrais qu'on parle de, la, de 2023, forcément. Euh, Est-ce que 2023 va être une... Euh, euh, une année euh, où le prix de l'immobilier finalement va risquer de chuter euh, Vous allez voir que euh, la réponse, c'est pas si simple que ça. Par contre, c'est quand même bien de s'appuyer sur des professionnels qui, eux, ont quand même une bonne idée. Euh, je pense notamment aux notaires. Euh, je vois, j'ai été signé un compromis il y a 15 jours chez mon notaire pour l'achat d'un immeuble. Et euh, celui-ci me disait euh, bah, qu'effectivement, en ce moment, euh, il y avait un ralentissement des transactions. Euh, très clairement, il le sentait que ça, ça ralentissait. Alors pour plein de raisons, hein, on va pas forcément y revenir ici, il enfin, faut en reparler forcément, mais euh, il y a quand même beaucoup de raisons aujourd'hui qui, euh, qui, euh, bah, qui viennent empêcher des transactions immobilières. Je pense que le premier, premier c'est euh, le taux d'usure hein, par rapport au crédit bancaire, c'est aussi la remontée des taux. Euh, c'est aussi que bah, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de faire financer un projet sans apport, voire mission impossible. Hein, ceux qui vous diront, si, si, c'est des cas particuliers c'est vraiment des cas particuliers. Aujourd'hui, il faut clairement un apport et qu'il soit le plus conséquent possible pour euh, du coup euh, euh, favoriser euh, que votre prêt soit, euh, soit bah, que vous puissiez réaliser votre prêt. D'ailleurs, c'est pour ça, après vous allez me dire, je vends, ma, je vends mon, mon, je vends, comment dirais-je, prêche en ma paroisse, mais c'est vrai que bah, la sous-location, mine de rien, euh, moi je vous le dis, je connais plein de personnes qui aujourd'hui utilisent la sous-location non pas pour générer des revenus complémentaires, mais pour se faire du cash. Et ce même cash qu'ils vont réutiliser pour un futur projet immobilier, tout simplement parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour se faire une trésorerie et pouvoir derrière la mettre en apport sur un projet IMO, euh, qui va leur permettre de, de, de faire un projet IMO. Parce que je vois aussi, je le dis, j'ai quelqu'un qui m'a posé une question sur YouTube qui me dit, pourquoi tu fais de la sous-location, pourquoi tu ne fais pas d'investissement IMO Mais parce que l'investissement IMO, la, la, la limite de ça, c'est euh, la levée bancaire, c'est euh, la, la possibilité de faire un crédit bancaire. Et, euh, c'est pas sans fin. On peut pas lever des crédits à tout va tout le temps en permanence. Euh, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est soit vous avez un CDI, euh, un contrat de travail à durée indéterminée, où là, du coup, vous allez pouvoir rassurer la banque. Et si en plus de ça, vous n'avez pas trop de dépenses au quotidien, ils vont pouvoir déterminer que vous avez la possibilité de vous endetter, hein, que vous ne dépassez pas le taux, le, le taux de 35%. Pour ceux qui ont, qui sont dé qui déjà dépassé, bah, ça va être à faire un apport. Hein, ça va être euh, donc du coup bah, l'apport. On le fait comment l'apport Quand vous êtes salarié, il euh, n'y a pas 50 000 solutions quoi. Alors je dis pas ceux qui ont déjà fait plusieurs projets, qui ont déjà un petit peu de trésorerie, etc. Mais ceux qui démarrent, il euh, n'y a pas 50 000 solutions. Pour moi, la sous-location, je vous le dis, j'insiste, je, je persiste. C'est vraiment un bon moyen de vous générer ce petit capital qui va vous permettre de faire cet apport pour un projet immobilier. Il n'y a pas 50 000 solutions. Après, sinon, ça va être peut-être avoir une activité complémentaire, un business complémentaire. Mais bon, un business, c'est beaucoup plus risqué. Il n'est pas du tout probable que le business fonctionne, qu'il va vous générer suffisamment de cash, etc. etc. Donc pour moi... Pour moi, euh, l'immobilier, la sous-location, excellent moyen, excellent moyen de vous, de vous faire ce cash pour faire votre futur apport euh, et pour du coup eh bien, commencer à vous lancer réellement dans l'investissement locatif. Quoi. Sinon, je, malheureusement, je, ça va vraiment être compliqué. Quoi. Euh, Marie qui dit Je viens d'avoir un prêt, mais 50 000 euros d'apport pour un projet à 180 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 25%. Euh, C'est juste énorme. Bah, moi, tu vois, sur un, sur un projet à 400 000, je fais un apport de 100 000. Donc, on est à peu près sur le même ratio. Hein. Euh, tu vois, je suis sur 25 d'apport. Donc, euh, bonjour Christine. Euh, hello Cécile. Euh, Luna, qui pourra acheter et supporter un crédit avec la crise actuelle bah, C'est ce que je te dis en fait. Il va falloir trouver des solutions hein, euh, parce que la crise, de toute façon, euh, celle-ci, à mon avis, elle s'installe et elle, elle, va, elle va, je pense… Euh, rester un petit moment comme ça donc je pense que les choses ne vont pas aller en s'arrangeant euh, forcément je pense qu'à mon avis on va être euh, ça va globalement flat pendant peut-être plusieurs années pendant ce temps les années passent et vous le savez euh, votre vie euh, votre temps de vie est limité donc à un moment donné bah, c'est soit on attend et les années passent et vous faites rien soit vous trouvez des solutions comme je viens de vous le dire juste avant et ça vous permet quand même d'accéder à la propriété, ça vous permet quand même de continuer vos projets. Euh, sachant qu'on va le voir là dans quelques instants, je pense que les prix vont avoir une correction. Donc du coup, je pense que c'est un bon point d'entrée. C'est comme quand vous rentrez en bourse, quand le cours de l'action est plutôt euh, baissier depuis plus d'un an, euh, que ça a perdu 20-30%, il y a quand même des bons points d'entrée à aller chercher parce qu'il euh, y a de très forte chance que ça remonte dans, quel, dans quelques mois ou quelques années. Marie, la banque a tout épluché. Euh, oui, tout à fait, je, je, je confirme ça. À Samy qui me dit oui, tout est OK sur Insta. Bon, bah c'est cool, c'est nickel. Luna, je dis que les prix vont chuter chez nous, l'immobilier a perdu 20% en deux ans. Alors, justement, on va, alors on va analyser des, des statistiques aujourd'hui, mais aussi on va d'abord regarder quelques articles qui sont parus, qui sont intéressants. Euh, donc, justement, est-ce qu'on va vers une nouvelle hausse des prix pour 2023 Alors, donc, selon une étude du Crédit Agricole, donc moi, j'aime bien cette étude-là. Le ralentissement du marché immobilier devrait s'intensifier en 2023. Pour la banque, la remontée lente mais régulière des taux de crédit Habitat, les impacts du conflit en Ukraine, la dégradation de la conjoncture et l'insuffisance de l'offre dans le neuf conduiraient à une correction des ventes. Depuis deux mois, les indices de prix immobilier s'essoufflent et dans la plupart des grandes villes, une baisse est déjà enclenchée. Après un alignement de planètes extrêmement favorable à l'actif immobilier, le vent a tourné. Premier nuage dans le ciel de l'immobilier, la hausse des taux d'intérêt, bien évidemment. Chut des transactions, comme je vous le disais, hein, l'étude pointe la forte remontée des taux en 2022. Euh, une évolution qui s'ajoute au léger resserrement des conditions de droit de crédit, suite notamment aux recommandations du SCSF, le poids des crédits à fort taux d'élevé, sup à 35%, dans la production de crédit doit être amené à 20%. Donc il tolère 20%. Cette norme était respectée en moyenne dès la fin 2021. À cela, il faut ajouter le conflit ukrainien et le choc inflationniste qui dégrade la confiance des ménages et réduisent le pouvoir d'achat. Alors que parallèlement, les postes énergie et frais de transport s'accroissent fortement. Bon, l'énergie, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais bon, je pense que vous savez un petit peu de quoi on parle. Dès lors, selon la banque, le volume des ventes dans l'ancien devrait reculer de 5% en 2022 et de 9% en 2023. Vous vous rappelez, je l'ai souvent dit, que pour moi, j'ai gardé une correction à peu près entre 10 et 20%. Vous allez me dire, ouais, tu te laisses une grosse marge. Oui, mais euh, c'est assez difficile de, de, de le prévoir. Vous voyez, là, on parle de 9%. Je pense que 10%, c'est très raisonnable, très raisonnable. Si on arrivait à contenir la baisse de 10%, ça serait plutôt bien. Elle resterait toutefois élevée à 1 million environ en 2023. Parallèlement, les ventes dans le neuf seraient plus affectées et reculeraient de 10% en 2022 et 5% en 2023. Notamment parce qu'il y a cette fameuse loi climat qui vient, je pense, influencer. Euh, ce segment est quadruplement pénalisé par la rareté et les prix élevés du foncier et le délai d'obtention des permis, la forte hausse des coûts de construction et les nouvelles normes environnementales pour la construction entrées en vigueur de début 2022, l'aéro 2020, ça je vous en ai déjà parlé. Donc les facteurs de résilience, malgré cette avalanche de mauvaises nouvelles, Olivier Huer, économiste et auteur de l'étude, estime que les fondamentaux du marché restent clairement favorables, dès lors qu'il n'envisage pas de baisse de prix mais seulement un freinage assez net. Pourquoi ce relatif optimisme la demande devrait rester assez soutenue car ça reste toujours une valeur refuge, un effet retraite, c'est vrai. Hein, en France, on y pense beaucoup à ça, et c'est recherche d'un habitat plus vert. Et les acheteurs pouvant jouer sur plusieurs paramètres pour compenser la taux des hausses sans baisse équivalente des prix, apport personnel un peu plus élevé, sous-location, je vous le dis, hein, pour ceux qui n'arrivent arrivent pas, sous-location, surface achetable ou qualité du bien revue un petit peu à la baisse. Acheter moins de mètres carrés, en gros, cela éviterait une nette correction des ventes et des prix. Un crédit toujours accessible, mine de rien. En outre, contrairement à qu'avant qu'avancent certains heures du marché, l'étude estime que le resserrement de l'octroi de crédit Habitat devrait rester assez mesuré. Le crédit Habitat est soutenu et ne connaît pas d'emballement. Nous ne sommes pas a priori dans un processus de bulle immobilière. Le modèle français du crédit Habitat reste prudent avec des risques contenus. À l'appui de cette hypothèse, la solidité du modèle français ou l'octroi d'un prêt fondé sur la solidité de l'emprunteur. En outre, le taux d'effort moyen, remboursement du crédit revenu, est à peu près stable sur la longueur. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trop vu de. Voilà. On n'a pas trop vu. On n'a pas trop ressenti encore pour l'instant. Mais je pense quand même qu'il y aura une correction. Les prix en 2023. Conclusion de cette étude les prix de l'ancien ralentiraient vers plus 4,8% en 2022 et plus 2% en 2023. On va le voir après. Je vais vous balancer des statistiques, euh, des courbes. La progression sera même plus forte sur un logement attractif. En revanche, elle anticipe une légère baisse des prix dans certaines villes comme Paris, Bordeaux, Lyon ou Nantes. Cette évolution modérée serait ainsi due au fait qu'une hausse, hausse des taux de crédit pourrait être compensée à la fois par une stabilisation, voire une faible hausse des prix, et par une légère réduction de la surface achetable. Ce facteur éviterait une nette correction des prix, à l'instar de ce qui a être observé en 2011. À Paris, en revanche, la surface achetable étant déjà très réduite, vu les fortes hausses des prix sur les passés, la hausse des taux devrait logiquement conduire à une baisse des prix. Une tendance que l'étude du Crédit Agricole estime toutefois transitoire, les grandes villes, notamment Paris, devraient résister à plusieurs facteurs positifs. Fondamentaux favorables du marché résidentiel, c'est vrai. Dissipation à venir de la crise sanitaire, c'est vrai aussi. Reprise du tourisme, c'est vrai que moi, je vois ce week-end, j'étais sur Paris, euh, ça parlait anglais partout. On parlait plus français à Paris. Des achats de la clientèle étrangère, qualité des écoles, des services de santé, médecins, hôpitaux, vie culturelle, attractivité économique et historique, de quoi remettre du beau moqueur de tous ceux qui ont acheté au plus haut. Bon. Euh, alors ensuite, on va continuer un petit peu dans les articles. Un autre article aussi. Un cycle baissier est enclenché dans la plupart des grandes villes, mais faut-il acheter rapidement ou au contraire attendre que les prix continuent de diminuer oui, hein, c'est la question qu'on se pose tous. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On le fait maintenant ou on le fait dans, dans quelques mois Donc c'est un petit événement. Pour la première fois depuis 2015, les prix de l'immobilier ont légèrement reculé sur un mois dans les dix plus grandes villes françaises. Cette fois, il n'est plus permis d'en douter. La baisse des prix dans les métropoles est véritablement enclenchée. Seules les zones rurales parviennent encore à rester dans le vert, mais pour combien de temps alors dans ce contexte, le début de cycle baissier, une question se pose pour les futurs acheteurs que vous êtes. Est-ce le bon moment pour acheter un bien ou vaut-il mieux attendre pour profiter de la baisse des prix annoncés quitte à devoir supporter une hausse des taux de crédit Donc on va, il y a quelques éléments de réponse, bien évidemment. Donc pour débuter, bah rappelons que sur du long terme, il est toujours plus intéressant d'acheter sa résidence principale que de rester locataire. Mais depuis le début de l'année, la durée d'amortissement d'un bien, durée nécessaire pour rembourser le tout du crédit, a doublé en un an. En janvier 2022, il suffisait un effet de 4 ans en moyenne pour ramortir les différents frais liés à l'achat et donc de rendre l'acquisition de sa résidence principale plus intéressante que la location. Mais avec la flambée des taux de crédit depuis le début de l'année, cette durée s'élève désormais à 8 ans en moyenne. C'est-à-dire qu'il faut 8 ans pour que ça devienne plus intéressant finalement d'acheter sa RP que de la louer. Le coût d'une acquisition pour les acquéreurs étant bien plus fort aujourd'hui qu'il y a quelques mois, il est ainsi fortement déconseillé d'acheter un bien sans être certain d'y habiter au moins une dizaine d'années. Et c'est vrai, moi j'ai je le, je le, je, acheté ma, ma résidence principale que l'année dernière. Euh, donc vous voyez, j'ai attendu la dernière... Et c'est vrai que pour, là, je me suis rendu compte que c'était la dernière ligne... Enfin, maintenant, il fallait attendre un, un petit moment avant de pouvoir réellement retomber sur, ce, sur ses pieds. Euh, ce qu'on va voir aussi après dans les cours que je vais vous partager, c'est qu'au contraire, le coût du loyer a tendance à baisser ensemble. Donc du coup, forcément, ça va favoriser les personnes à peut-être plus louer qu'acheter actuellement. Donc la hausse des taux n'est pas compensée. Si la grande majorité des professionnels de l'immobilier prédisent une baisse des prix dans les grandes villes dans les prochains mois, tous les voyants ne sont pas pour autant au vert pour les futurs acheteurs. En effet, alors que la Banque Centrale Européenne, la BCE, a remonté ses taux directeurs d'un point et demi l'an dernier, les taux de crédit devraient continuer à flamber en 2023. D'ailleurs, meilleur agent, les taux moyens pourraient augmenter d'au moins un point dans les six prochains mois. Par conséquent, la baisse des prix annoncée ne sera pas suffisante pour compenser la hausse des taux. Seule une baisse des prix de près de 9% en six mois. Vous voyez, c'est une information qui revient assez souvent, euh, pourrait compenser la hausse des taux de crédit, ce qui est évidemment hautement improbable. Directeur scientifique, à titre de comparaison, au cours du dernier cycle baissier qui s'est produit entre 2011 et 2015, les prix de l'immobilier ont perdu seulement 7% en 4 ans. Ainsi, les futurs acheteurs qui disposent d'un budget limité ont tout intérêt à acheter un bien le plus rapidement possible, sous peine de ne plus avoir accès au crédit dans 6 mois en raison de la hausse des taux. Voilà. Le truc il est là, c'est que si vous avez un petit budget, euh, il, est, il est temps de d'acheter, parce qu'en fait, la remontée des taux est tellement plus forte que la baisse réelle de l'immobilier, fait que vous serez dans une situation défavorable. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire, d'accord Parce que les taux de crédit vont remonter, c'est certain. Par contre, le prix de l'immobilier va être corrigé, mais de combien on ne sait pas. Donc du coup, c'est prendre le risque d'attendre que bah, l'immobilier ne baisse pas aussi vite que espéré, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le, le taux euh, donc, euh, pour faire un, un, un crédit, lui, pour le coup, on le sait, va augmenter d'au moins d'un point. D'accord Donc, ça veut bien dire que si aujourd'hui vous posez la question est-ce qu'il faut encore acheter Eh bien, si vous êtes lié effectivement à l'obtention d'un crédit bancaire, eh bien, très clairement, il vaut mieux acheter parce que le taux de crédit reste encore acceptable. D'accord La question peut se poser parce qu'effectivement, on sait que l'immobilier va avoir une correction, mais combien on ne le sait pas. Et c'est surtout aussi en combien de temps hein, Parce que peut-être que cette baisse ne va pas être sur 2023. Peut-être qu'elle va s'amorcer sur 2023. Elle s'est amorcée sur 2022. Peut-être qu'elle va continuer sur 2023, mais elle va peut-être perdurer 2024, 2025, 2026. Donc certains profils, par contre, peuvent attendre. Hein. C'est ce, ce, ce qui démontre ici. Je trouve cet article plutôt bien fait. Reste à savoir si certains profils d'acheteurs ont intérêt à miser sur l'attentisme malgré la hausse des taux. Sans surprise, ce sont les acquéreurs les plus aisés qui disposent d'une plus grande marge de manœuvre. Bien évidemment, c'est toujours les riches, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, ceux qui ont du cash qui sont les plus favorisés, bien évidemment. Euh, les acheteurs qui ne sont pas contraints financièrement peuvent légitimement adopter un comportement attentiste, voilà, afin d'attendre un éventuel réajustement des prix qui ferait baisser la durée d'amortissement. Euh, les ménages qui disposent d'un apport conséquent seront également moins pénalisés par la hausse des taux, bien évidemment. Surtout, ces profils attentistes auront également plus de facilité pour négocier les prix, puisque les délais de vente devraient s'allonger. Ils auront également la possibilité de renégocier leur crédit en cas de baisse des taux dans les prochaines années. Et oui, parce que ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Euh, même si aujourd'hui vous empruntez à un taux qui est relativement haut, le fait est que euh, dans quelques années, vous pourrez très bien revoir vos, vos taux. Si les taux euh, rebaissent fortement, on pourrait le revoir, d'accord Le prix de l'immobilier, c'est un instant T, hein c'est comme ça. Donc effectivement, ceux qui ont un petit peu de cash, qui ont même du cash de côté, qui ont moyen de faire des apports, bah ça peut être intéressant pour eux d'attendre, pour saisir les bonnes opportunités. A contrario, ceux qui n'ont pas d'apport ou très peu, eh bah, clairement, vaut mieux emprunter maintenant parce que le taux reste encore acceptable, le prix de l'immobilier reste acceptable et du coup, ça reste encore des opérations réalisables. Mais ce ne sera pas du tout le cas dans peut-être un ou deux ans, d'accord voilà ce que démontre cette, cette étude. Euh, bonjour John. Et le prix des matières premières pour le neuf qui vient impacter la construction Le goût des matières premières pour le neuf. Oui, tout à fait. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bonjour Charles. Euh, alors attends, je remonte. Holman. Après, surtout dans les grandes villes que ça baisse, d'après moi, dans les villes moyennes de province, ça a tendance à augmenter régulièrement. Euh, moi, je ne suis pas certain que ça va pas baissé quand même. Je vois sur ma ville, je pense que ça va, ça va baisser. Taux d'endettement reste à vivre, dépenses quotidiennes, situation féminine, etc. Prêt sur 20 ans, est au fixe Oui. Christine Lafarge, penses-tu que l'option location-vente va se développer par rapport à ce que tu dis sur le crédit euh, le, le, Tu veux dire la vente à terme euh, Oui, je pense. Mais après, il faut que les, les, les vendeurs soient aussi euh, ouverts par rapport à ça. Hein. Euh, je dis que les prix vont chuter chez nous. L'immobilier a perdu 20% en deux ans. Je suis assez d'accord avec ça. Je conseille à Luna qui dit Je conseille à tous d'investir dans l'or, seul refuge dans cette période de grande crise. La banque ne garde pas votre argent, elle le prend en otage. Oui, alors l'or en fait partie, mais c'est pas, tu peux pas tout miser sur, sur, sur ça, c'est pas possible. Euh, D'ailleurs, tiens, attends, je vais retirer juste un truc là qui me gêne un petit peu. Hop, tac, je cacher ça. Euh, tu peux pas tout miser non plus sur, sur ça, c'est pas possible. Que tu t'aies une partie, c'est très bien, mais euh, c'est pas. Tu ne peux, peux pas dire j'investis dans de l'or. D'ailleurs, l'or, c'est des valeurs refuge. C'est comme si tu avais des dollars. C'est euh, comme si c'était une monnaie que tu avais. Il hein. c'est, euh, faut pas le voir comme un investissement euh, immobilier ou autre. Ça, enfin voilà. Moi, je pense qu'il faut diversifier, que l'immobilier reste de la pierre, ça reste du tangible comme l'or, effectivement. Ça reste tangible. Euh... Alors, un autre article aussi, et après on va passer sur une analyse statistique. Regardez. 54% des notaires anticipent une baisse des prix dans les deux mois. Les notaires sont de plus en plus prudents sur l'avenir proche du marché immobilier. Le pourcentage de professionnels pronostiquant une baisse des prix et l'activité ne cesse de croître selon les derniers chiffres publiés par iMonnot. Alors quelle est la bonne stratégie immobilière Donc indispensable à intermédiaire dans la transaction, les notaires sont parmi les mieux placés pour détecter l'ambiance du marché. Donc c'est ce que je vous disais en introduction. Euh, c'est ce que me disait mon notaire. Pour elle, il y a en ce moment il y a un gros ralentissement. Donc glacial ce mois de décembre. Euh, donc euh, le pourcentage des notaires qui estiment que les prix vont baisser lors des deux prochains mois passe très franchement de la barre des 50 à 54 contre 44 misant sur leur stabilité, alors qu'ils sont plus que 2 anticipés une hausse. Pour mémoire, les avis étaient nettement plus partagés en septembre, ils étaient seulement 49 à prévoir une baisse des prix et 45 une stagnation. Il faut dire que tous les signaux ont viré au rouge. Certes, la pierre est toujours considérée comme une valeur refuge et ceux qui ont les moyens continuent d'envisager les investissements, mais globalement, tous les critères d'un retournement de marché sont presque réunis. En premier lieu, la hausse des taux de crédit. Le taux standard sur 25 ans est actuellement d'un peu plus de 2,5% hors assurance. Certes, peu face à une inflation de l'ordre de 6%. Enfin plus que ça même. Mais c'est beaucoup qu'on songe les emprunteurs pourraient obtenir un taux de 1% en début d'année 2022. Rappelez-vous, hein, début 20, 2022, on empruntait 1%. Là, on va atteindre les 3%. Donc, ça a triplé. Diminution du nombre d'acheteurs solvables, cette flambée du coût du crédit lamine le pouvoir d'achat des ménages, lesquels sont de moins en moins nombreux à pouvoir satisfaire les banquiers qui font montre de prudence. Ils réclament des apports personnels de plus en plus importants et se conforment aux instructions du HSF. À cela, il faut ajouter le frein du taux d'usure, taux maximum auquel il est possible de prêter, qui limite encore les octrois de crédit. Les banques ne peuvent pas accepter de dossiers trop risqués, car elles n'ont pas le droit de faire payer ce risque supplémentaire au-delà du seuil défini par ce fameux taux d'usure. Donc, c'est un système virtueux, puisque, en fait, il empêche d'octroyer des crédits à des, faibles, à des ménages fragiles, en risque de ne pouvoir faire face à leur mensualité. Mais il restreint, par contre, le nombre d'emprunteurs éligibles, bien évidemment. Alors, la bonne tactique pour éviter les risques. Dans ce contexte de l'État, quelle est la bonne stratégie Il est clair que dans les prochains mois, le marché immobilier sera moins florissant et que le nombre de transactions devrait s'inscrire en baisse. C'est d'ailleurs l'opinion de 71% des notaires interrogés. Et comme ils sont cohérents avec eux-mêmes, ces professionnels sont formels. Il faut vendre avant d'acheter. C'est le conseil prodigué par 80% d'entre eux contre 17% qui préconisent le contraire. Euh, les pourcentages de notaires vendeurs a nettement augmenté depuis septembre où selon les mois d'Immonote, il était à 77% à conseiller de vendre un logement dans les deux mois contre 101% en juillet. Alors faut-il pour autant renoncer à ces projets IMO Certainement pas. D'abord parce que l'achat d'une résidence principale est généralement une bonne décision patrimoniale pour peu que l'emplacement soit bien choisi. Ensuite parce que si la dégradation des conditions de crédit entraîne, et c'est déjà vu dans les plus grandes métropoles, une baisse des prix, cette baisse est très loin de compenser le coût engendré par la hausse des taux immobiliers. C'est ce que je vous disais juste avant. La stratégie d'attente n'est donc pas forcément la plus pertinente, du moins quand vous utilisez l'effet de levier à 100% de la banque. S'agissant des acquéreurs immobiliers locatifs, trancher la question est plus délicat censé protéger de l'inflation immobilière ne, ne remplira pas totalement sa mission habituelle. Les hausses de loyers sont désormais bridées par de nombreux textes restreignant les possibilités d'ajustement. En outre, les obligations en termes de rénovation énergétique peuvent s'avérer particulièrement coûteuses. Enfin, la hausse des taux ouvre aux investisseurs des alternatives obligataires, sinon plus rentables, en tout, état, en, en tout cas, et moins difficiles à gérer que l'immobilier en direct. Reste dans un contexte où certains se verront forcés d'arbitrer un patrimoine immobilier, divorce, décès, ou se trouveront incapables d'assurer les travaux exigés par nouvelles normes locatives, les investisseurs à la de bonnes affaires pourront saisir quelques opportunités, d'autant que sur le long terme, les perspectives sont moins pessimistes. Alors, on va euh, ensuite enchaîner sur... Euh, moi, je vais tout mettre dans ces meubles sur, dans des meubles discount. D'accord? Après, je ne mettais pas le monde dans les villes de province. D'accord. Euh, je conseille à tous d'investir. D'accord, ça on avait vu. Luna a survécu un grand tremblement de terre pour moi. L'immobilier est un investissement plus que risqué. Oui, alors euh, en France, ça me paraît quand même assez compliqué. Euh, les tremblements de terre, mais bon. Euh, euh, après pourquoi pas <laughs> chacun a ses propres convictions mais euh, non non ça reste quand même relativement tangible L immobilier euh, à moins d'une guerre euh, la seule chose qui peut faire détruire votre immobilier c'est une guerre quoi une guerre ou effectivement à trop long terme enfin en france on est quand même pas trop concerné euh, par rapport à ça quoi euh, alors justement moi je voulais vous partager autre chose euh, on va parler un peu chiffres on va s'appuyer un peu sur ça je sais pas si vous voyez bien donc ça, c'est euh, les chiffres de, du 8 décembre 2022. D'accord Donc c'est très récent, euh, actualisé, bien évidemment. Alors là, on a, on a la synthèse, mais on va, alors on va regarder déjà la synthèse. Donc en noir, c'est l'indice du prix des logements anciens. Donc on voit qu'on est au plus haut, donc on a, on, a, on a une petite correction ici. En vert, c'est le montant total des ventes de logements anciens. Là, on voit très clairement qu'on est sur une baisse. En marron, c'est le nombre de ventes de logements anciens. Donc on voit une correction. En bleu, c'est l'indice des loyers. Donc comme je vous le disais, regardez les loyers. Ils sont clairement en train de baisser. C'est très clair. Et en violet, c'est l'indice de la durée d'emprunt pour acheter le même logement sur une base 1 pour l'année 2000. Donc là, qu'est-ce qu'on voit Là, très clairement, on est sur une forte remontée. D'accord mais on voit que dans les années, euh, dans les années 2008 jusqu'à euh, jusqu 2013 à peu près, hein, on voit qu'on était encore euh, bien, au, bien au dessus. Donc là, comment ça va se comporter C'est donc des courbes à suivre qui sont actualisées bien évidemment. Donc ça, c'est l'indice du prix des logements en monnaie constante. Bon. montant total des ventes immobilières reportées au produit intérieur brut. Je ne sais pas si vous voyez hein, ici la courbe noire, euh, juste ici, c'est juste euh, assez affolant en fait. Hein, c'est le, le, le pourcentage que représentent les ventes immobilières ramenées donc, au PIB. Donc on voit que ça représente quand même une grosse partie. Ça, c'est le placement en action rapporté à la tendance longue, comparaison entre les actions américaines et les actions françaises. On a l'inflation et le taux d'intérêt à long terme. Donc, l'inflation, c'est en, en gris clair, on ne le voit pas très bien sur la photo, mais là, on est ici, donc on, on a une remontée. Hein. In, en noir, c'est donc l'inflation annuelle moyenne, mais en bleu, c'est le taux d'intérêt à long terme sur la dette de l'État. Donc là, on voit bien qu'on est sur une remontée, mais on n'a toujours pas atteint. Euh, regardez les années, euh, là, c'était dans les années 80, hein, 90, c'est juste incroyable. Donc, depuis 1965, prix des logements, loyers, conditions de financement. Donc, la courbe noire, eh c'est l'indice le, le, de prix des logements anciens. D'accord Donc, on voit bien que là, on, on est sur une correction. Euh, en bleu, c'est l'indice des loyers de l'INSEE, tout logement confondu. Donc, on redescend dessous de 1. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Euh, donc, c'est reporté au revenu par ménage moyen de l'ensemble des ménages. D'accord Cette courbe-là, c'est reporté au revenu par ménage moyen de l'ensemble des ménages, d'accord Donc la base est 1, d'accord C'est la base des années 2000, c'est donc 1, ok euh, Donc là on voit bien qu'on est en dessous, donc on voit bien que les loyers redeviennent intéressants pour les ménages. Là une autre courbe que je trouvais intéressant, c'est le, le taux d'intérêt nominal, donc qui est en train de remonter, petite remontée. Euh, vous voyez, qui, reste assez, pardon, qui reste assez légère, je trouve, hein, c'est la courbe rouge. Par contre, on a l'inflation qui, qui est en train de remonter très franchement. D'accord? Et donc après, regardez la courbe violette. En fait, c'est la différence entre les deux. C'est-à-dire c'est le taux d'intérêt net d'inflation. C'est-à-dire que si on, euh, on considérait euh, le, le taux d'intérêt euh, sans euh, cette remontée d'inflation, c'est quelque chose de stable, ben en fait, on serait en dessous de zéro, très clairement. Parce que du coup, on aurait très peu d'inflation et on aurait un taux d'intérêt qui serait. Euh, on l'avait euh, en, en 2018, par exemple, à peu près. Hein. On, avait, on a connu ça en ouais, 2018, à peu près. Regardez, en 2018, on a la même chose, sauf que là, c'est beaucoup plus fort, puisque l'inflation a remonté de manière beaucoup plus importante. On avait la même chose aussi dans les années euh, 73. On avait cette grosse différence, justement. OK. Euh, indicateur de pouvoir d'achat immobilier des ménages. Donc, bah, on voit bien que le pouvoir d'achat, euh, sachant qu'on est sur une base 1, hein, donc là, on est vraiment en dessous. Donc, on voit bien que euh, bah, le pouvoir d'achat euh, euh, d'immobilier sur les ménages est très clairement, c est, c est, c est, c est, on voit bien que c est, c est, ça représente un gros poste pour les ménages. Durée d'emprunt permettant à un primo-accédant d'acheter le même logement ancien pour le même taux d'effort initial et le même apport personnel, toujours sur une même, une même base. Bah regardez, hein, la courbe est très clairement en train de remonter. Durée au taux nominal. Voilà l'indice du prix des logements. Donc là, ils ont comparé la, la France de manière générale, Paris. Donc regardez, indice du prix des logements rapporté aux revenus disponibles par ménage. Regardez, là, la courbe rouge, c'est Paris. La courbe verte, c'est Lyon. D'accord En bleu, la province. En noir, la France. Hein, on voit bien que c'est assez flagrant sur l'île de France, Paris et Lyon. On voit bien, là, la... c'est net, hein, à partir de 2020. Vous voyez, 2020, ça a décroché. Euh, L'indice du loyer des résidences principales l'indice du pouvoir d'achat des ménages hein, donc, euh, euh, on voit bien la, la chute depuis les années 2020 hein, le pouvoir d'achat immobilier euh, très clairement euh, pour les primo accédants a fortement diminué la, taux de, la durée d'emprunt permettant à un primo accédant d'acheter le même logement ancien pour le même taux d'effort initial et le même apport personnel voilà donc en noir on a donc la France Paris qui est donc en pleine remontée et une très grosse remontée aussi sur Lyon. Hein, contrairement à la province où ça remonte, mais de manière beaucoup moins importante. Donc on voit bien que Paris et Lyon ont les mêmes comportements, hein. euh, l'Île-de-France aussi, mais un échelon un petit peu en dessous, un petit peu inférieur. Et on voit bien que on voit, de toute façon, Lyon, Paris et l'Île-de-France n'auront jamais le même comportement qu'après que vraiment le, le reste de la France. Euh, L'indice du prix des logements. Comparé par rapport aux différents États. Donc aux États-Unis, euh, bah, je ne sais pas si vous voyez la courbe bleue, hein, c'est les États-Unis, ça, ça fait très peur. Hein. Au Royaume-Uni aussi, hein, ça fait très très peur. Royaume-Uni, États-Unis, ça fait vraiment peur. Euh, en France, c'est un peu contenu, mais bon, compliqué. L'indice des loyers, donc là c'est pareil, vous avez la France en noir, les États-Unis en bleu et en rouge, le Royaume-Uni. Taux d'intérêt des, euh, des nouveaux prêts du logement. Regardez aux États-Unis, c'est la courbe bleue. Euh, c'est juste euh, incroyable. On est sur un taux d'intérêt à 7%. D'accord Au Royaume-Uni, on est à peu près à 5%. D'accord Il n'y a que nous, hein, en France. Hein, regardez, on est quand même vachement préservé. Hein, on est à 2%. Voilà. Donc on voit bien qu'en euh, France, on, les choses, nous, s'en font de manière un petit peu plus lente, je trouve. De toute façon, on a toujours été un peu lent. <laughs> toujours un petit peu a été un petit peu lent, sur pas mal de choses. Et, euh, et, et là, c'est un peu la même chose, en fait. C'est un peu pareil. On est un peu observateur, moi je trouve. Euh, Dettes immobilières des ménages rapportaient leurs revenus disponibles. Donc en France, 87%. Euh, Royaume-Uni, bah, on explose les, les compteurs. Et le pire, c'est les Pays-Bas. Voilà, ça, c'est la vente de logements anciens et construction de logements neufs. Donc la vôtre de logement ancien, on voit bien étant baisse, logement neuf également, mais ça reste globalement contenable, d'accord Vitesse de rotation du parc des logements, construction de logements neufs et affectation de la croissance du parc, nombre de ventes immobilières soumises au droit de mutation de droit commun. Donc en rouge, c'est euh comment dirais-je, euh, tout bien confondu, ancien, entreprise et terrain. Et en noir, c'est que le logement ancien. Voilà, et euh, taux d'intérêt, bon ça, on l'a vu, Bon, c'est des courbes un petit peu plus précises, indice du prix des logements, euh, montant des transactions, bon, on est toujours à peu près sur la même courbe, c'est de plus en plus précis, mais... Euh, mais voilà, grosso modo, euh, moi je voulais vous parler de ça parce que ça me semble intéressant vu le petit point qu'on faisait ce matin euh, par rapport aux différents articles, Ça s'appuyer aussi sur des courbes pour confirmer un petit peu tout, un petit peu tout ça. Bonjour Laurent. Euh, Marie qui dit bonne journée, je dois y aller. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Euh, Mike qui dit comment ça se fait que les loyers baissent Bah en fait, déjà, premièrement, euh, on a. Euh, comment dirais-je euh, On a. Bah, tu sais, l'indice euh, des loyers qui a été euh, capé euh, à. 3%. Euh, si, si on n'avait rien fait, bah, très clairement, tu sais, l'indice le, euh, sur les loyers, hein, l'indexation, le, je vais chercher le mot, l'indexation sur les loyers a été, euh, a été capée cette année. Donc, forcément, on n'a pas eu euh, une augmentation des loyers euh, espérée. enfin, ce qu'espéraient les, les loueurs hein, euh, liés à l'inflation. Tout le monde pensait qu'on allait pouvoir augmenter les loyers de 6% pour suivre l'inflation. Bah, pas du tout, c'était capé à 3%. Donc, indirectement, euh, ça revient à dire que, bah, en fait, euh, L'inflation est plus importante et le prix des loyers, a, au contraire, a tendance à reculer. Puisque bah, tu comprends la, cette différence. Après, je pense qu'aussi, peut-être qu'il y, y a une offre. Euh, après, c'est vraiment sur l'ensemble de la France. Hein, c'est sûr que si on prend sur Paris, à mon avis, il n'y a pas eu trop de changements. Euh, il y a toujours autant de batailles. Même je vois sur des régions très, très tendues. Je pense qu'il y, y a toujours autant de batailles. Mais. Voilà, euh, pour moi, c'est une des explications. Peut-être qu'après, il y en a d'autres. Mais en tout cas, pour moi, celle-ci me paraît la plus, euh, la plus cohérente. Euh, après, sûrement qu'il y en a d'autres. D'ailleurs, il ne faudra pas hésiter à me le dire. Si vous vous envoyez pourquoi, justement, les loyers ont baissé, ont une tendance baissière, justement, n'hésitez euh, bah, pas. Hein, si vous avez des, des informations à communiquer, moi, je suis surpreneur. C'est l'idée aussi de ces, euh, de ces petits rendez-vous euh, du mardi matin, euh, qu'on puisse aussi vous euh, donner vos. Voilà, vos. vos comment dirais-je. Euh, bah, vos idées, vos remarques euh, qu'on puisse euh, voilà un genre de brainstorming euh, collectif quoi, je trouve ça je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter, des précisions euh, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Euh, moi c'était le gros sujet de ce matin que je voulais parler, je pense que voilà, on va on va arrêter là pour ce matin sinon, mais n'hésitez pas à, à compléter bien évidemment. Euh voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, moi euh, on, fera un, on fera un live semaine prochaine, euh, pas cette semaine, mais on fera un live euh, jeudi de la semaine prochaine, je vous en reparlerai. Un live sur la, sur la création de conciergerie, donc ça, je vous reparlerai de ça. On fera un, comment, un, un morning emo, donc euh, mardi prochain, et ça sera le dernier de l'année, du coup. Euh, on arrêtera là pour 2022, puis on se retrouvera bien, bien évidemment pour 2023. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, pensez à bien payer votre CFE puisque la date butoir c'est le 15 décembre, donc c'est jeudi. Euh, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, rappelez-vous, c'est jeudi. Euh, N'oubliez pas, sinon vous aurez une majoration. Euh, J'ai fait une vidéo sur YouTube je dimanche qui a beaucoup plu, je vois qu'il y a beaucoup de vues. Euh, je savais qu'elle vous plairait cette vidéo parce que euh, c'est un sujet qui est... Qui est assez. Euh, et je me suis fait confirmer d'ailleurs. Ça peut être intéressant que je partage avec vous. Je me suis fait reconfirmer que, effectivement, si on fait classer son logement, eh bien, on est exonéré de CFE. Donc euh, je me le suis fait confirmer par le Centre des Impôts, puisque je les ai eu au téléphone. Euh, je crois une heure après que j'ai tournais ma vidéo, <laughs> donc, euh, donc donc voilà. Euh, et franchement, euh, faut pas hésiter à les appeler, ils sont là pour vous expliquer, etc. Faut discuter avec eux. Euh, enfin, moi, je vois la personne que j'ai est assez à l'aise là-dessus, donc il faut pas hésiter à poser vos questions. Ils sont là pour vous renseigner et ils admettent aussi que parfois ils envoient, bah voilà, qu'ils perdent des erreurs d'adressage ou parce qu'ils n'ont pas forcément connaissance précisément de votre situation. Et du coup bah ça peut mettre ça peut du coup ça, ça va générer un envoi de courrier inutile et donc du coup il faut demander un dégrèvement euh, donc voilà quoi vous dire d'autre bah, je crois que c'est à peu près tout euh, c'est à peu près tout Laurent je démarre en mars mon MNP je ne dois pas payer de CFE non tout à fait tu paieras pas de CFE par contre tu recevras quand même le formulaire hein, tu recevras le formulaire qui va te poser pas mal de questions justement sur ton logement, combien tu as de salariés, combien tu prévois de faire de chiffre d'affaires, etc. etc. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, moi euh, Donc effectivement, tu n'en paieras pas la première année ça fait partie des conditions, euh, si c'est classé en meublé également, et si tu fais moins de 5000 euros. Voilà, c'est les trois conditions aujourd'hui pour échapper, euh, entre guillemets, à la, à la CFE. Mais bon, je vous invite à regarder cette vidéo sur YouTube que j'ai publiée euh, dimanche dernier. Euh, quoi vous dire d'autre euh, Non, bah je crois qu'on a fait à peu près le tour. Euh, je réfléchis, je voulais rien oublier parce que c'est ce moment-là où on est en live où il y a. Euh, D'accord, c'est ce que j'ai reçu. bah Voilà, c'est ça, Laurent. Donc, euh, il voilà. faut bien le remplir par contre. Hein, sinon, ils vont te relancer. Ils ont besoin de ça. Euh, non, bah c'est à peu près tout. Voilà, Je cherche, mais je pas forcément besoin de chercher beaucoup plus. Euh, bah, voilà, du coup, eh, si, petite question fais là bonjour Laurent, au niveau du Airbnb, puis-je déclarer seul ou faut-il voir avec un service comptable euh, euh, Alors, euh, moi, je vais répondre pour, la, pour Laurent. Euh, moi, c'est Sébastien, hein, tu fais là, mais c'est pas grave. Ah, Peut-être que tu as adressé à Laurent. Euh, au niveau du Airbnb, puis-je déclarer seul ou faut-il voir avec un service comptable Tu peux déclarer seul. Euh, tout dépend si tu es au micro BIC ou si tu es au réel. Si tu es au réel, moi, je vais t'encourager à utiliser des plateformes euh, ou passer par un expert comptable. Tu as des sites internet qui te font ça pour 350 euros qui te font ce qu'on appelle la liasse fiscale. Si tu es au micro-BIC, tu peux le faire tout seul sans aucun problème. Sans aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça Ou est-ce qu'on a fait le tour Dites-moi. Bon, je vois que ça voilà, ça a fait le tour. Bon, bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, bah, c'est qu'on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine. Je vais vous souhaiter une belle semaine à vous tous. Protégez-vous bien parce qu'il fait bien froid en ce moment. Euh, et euh, je vous de rendez-vous. Euh... Ah, là, encore deux questions. Là, je les prends et après on arrête là. Parce que du coup, je vous attendais. Hein, vous voyez, vous mettez trop de temps. J'allais couper. Hein. Euh, quels sont les, les avantages du droit civil C'est des contrats de un an Non, en fait, c'est un avantage d'un bail de droit civil c'est que tu mets ce que tu veux dedans. Tu peux te mettre 5 ans, 1 an, 3 ans, renouvelable par renouvelable. Tu mets ce que tu veux. Donc, c'est le gros avantage. Tu penses quoi des comptables en ligne, STEB, STP Alors justement, j'aurai une, une, une grosse info à vous communiquer puisque je suis en train de monter mon cabinet comptable. Euh, donc j'en reviendrai vers vous, je pense, fin de cette année ou début 2023. Euh, on vous proposera pour, vous, pour ceux qui le souhaitent. Eh bien, euh, euh, donc je me suis associé avec un expert comptable. Euh, et du coup, on a créé un cabinet comptable vraiment euh, dédié à l'immobilier. Donc, euh, je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai. Euh, la situation reste intéressante. Oui, Patrick, j'en ai parlé d'ailleurs au tout début de ce live. Donc euh, oui, 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 oui. Encore plus, en, en, encore plus maintenant, j'ai envie de te dire. Encore plus maintenant. C'est encore plus intéressant qu'auparavant. Notamment pour avoir ce fameux apport pour faire des obtentions de crédit bancaire. Tu penses quoi des conseillers en, en patrimoine euh, bah, J'en pense qu'ils ont des diplômes. J'en pense qu'ils ont une vraie formation. Et que du coup, je pense qu'ils ont un... un Comment je pourrais vous dire ça? Vous savez, à chaque fois que je fais des vidéos, je vous dis tout le temps, je ne suis pas un conseiller euh, financier, je ne suis pas un enfin, je suis pas un. Je, comment dire? Parce que je n'ai pas de diplôme reconnu. D'accord? C'est mon expérience qui parle, c'est ce que je sais, mes connaissances, mais ce n'est pas reconnu. L'avantage d'un gestionnaire de patrimoine, c'est que c'est quelqu'un qui est reconnu, puisque effectivement, il a suivi une formation diplômante et donc, il a un diplôme, et donc, il est reconnu officiellement. Dans les faits, euh, peut-être qu'une personne. Euh, connaîtra tout autant de choses, mais je pense que la formation est quand même assez complète. Euh, même moi, j'y pense parfois à la faire pour avoir cette légitimité à vous dire, ben bah voilà, euh, je suis reconnu, donc je peux vous donner des conseils, donc j'y pense, je ne vous cache pas. Merci Christine. Euh, allez, on va... Peut-on classer notre sous-loc Oui. Oui, Romain Desbois. Euh, bon les amis, bah, du coup on va arrêter là, euh, je prends la vidéo en route, <laughs> vous arrivez trop tard, vous arrivez trop tard, j'investis dans les CPI, non, 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 pourquoi je ne sais, <laughs> sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, j'y pense, mais euh, pour, pour l'instant non, euh, NAB, pour l'instant non, euh, bon les amis, je vois que les questions arrivent maintenant, mais… Euh, essayez de venir à 9h30 la prochaine fois. <laughs> essayez de venir en, en, en temps. Comme ça, du coup, on peut prendre plus de temps pour, euh, pour ça. Mais bon. Euh... Bon, voilà, je vois qu'il n'y a plus de questions qui arrivent. Pas de soucis, n'a Pas de soucis. Euh... Bon, bah écoutez les amis, moi, je vous propose qu'on arrête là. Hein, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, <laughs> je vais vous souhaiter une bonne semaine, une bonne journée. Portez-vous bien. Et euh, rendez-vous, eh bien, euh, semaine prochaine à 9h30 pour un prochain Morning Niveau. Allez, très bonne semaine, à très bientôt, ciao